There is one question we've all had a thousand times since we were kids. What do you want to be when you grow up? What does changing the world mean to you? How would you change the world if nobody was watching? Why should work be a burden that we should get rid of as soon as possible? Basically, starting from the 1980s and 1990s, the promise of a job for life was gone. The only options you had, go to college, get your office job, house, marriage, kids, the end. Nobody even introduced the concept of working online. It's not just a generational phenomenon, it's basically the problem of our age. Je me sentais pas forcément à ma place, et en tout cas pas en mesure d'évoluer comme je le souhaitais. À quoi ça sert de gagner de la thune si on n'est pas assez heureux pour la dépenser? Can't we enjoy working? Find meaning and fulfillment in it. People are already bringing the future of work into the now. We yearn for more flexibility and for more trust from our employers. We are at a period of time where never before have we ever seen in human history that us as individuals have so much innovation power. The best way to predict the future is to invent it. You could be your own company. You could do more things that required a team of 10. It's in our DNA to move forward. And it's not just a question for the privileged few. The place of production, the place that you're going to have some output. What if that was also the place that you went for care, for trust, for meaning? Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinar du Pôle Innovation avec Samuel Durand. Salut Samuel, je suis super content de te recevoir aujourd'hui. Salut Yanis. Alors, pour thématique aujourd'hui, on va parler du Future of Work. À quoi ressemblera le travail de demain, tout simplement. Donc Samuel Durand qui est là et qui a réalisé le documentaire Work in Progress, dont on vient de voir le teaser, hein, tout ouais. Simplement. Alors, pour rappel, avant de pouvoir enchaîner sur ce documentaire et puis que tu nous parles un peu plus du Future of Work, pour rappel, hein, donc le pôle innovation du groupe Randstad organise régulièrement ses rencontres avec des intervenants inspirants qui ont mis en place des choses autour de l'organisation de l'entreprise, du futur de l'entreprise. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est sur le futur de l'entreprise. Pour rappel aussi également donc aux personnes internes de Randstad qui nous regardent, nous avons mis en place récemment un challenge sur le Future of Work. Donc, vous pourrez aller trouver ça sur la page Team Randstad, donc notre communauté interne. N'hésitez pas à participer et à nous donner, vous, votre définition du Future of Work. Et plus globalement, donc aux personnes qui nous regardent, hein, n'hésitez pas à interagir avec nous tout au long de cette rencontre via les commentaires de ce live. Mais pour commencer... Donc, comme je te disais, je serais très content de te rencontrer aujourd'hui, Samuel. Merci. Est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter? Qui es-tu, Samuel Durand? Écoute, j'ai 24 ans et ça fait quelques années maintenant que j'explore les transformations du travail. J'ai démarré il y a 2-3 ans avec une learning expedition. En fait, c'était pendant mon année de césure. Et je suis allé passer 6 mois à rencontrer une centaine de personnes dans le monde. C'était sympa, ouais, c'était chouette. C'était bien voyagé, tu vois, une dizaine de villes, une centaine de personnes. Et des boîtes de toute taille, hein, des grands GAFA, comme des petites PME au Vietnam. Donc, c'était hyper varié, hyper riche. Et le but, c'était de découvrir à quoi allait ressembler le travail de demain, et plus précisément sous l'angle de la relation entre les grandes entreprises et les travailleurs indépendants. Mais en fait, très vite, le sujet s'élargit au futur work en général. Donc, ça a duré 6 mois. Et puis, en rentrant, j'ai publié un rapport d'étude sur le sujet, et qui fait 250 pages, qui était hyper dense, tu vois, il y a plein de trucs. Mais j'avais un point de frustration qui était que c'était pas assez grand public, c'est pas assez ludique. Donc j'ai continué à écrire, j'ai donné des conférences pour expliquer tout ce que j'avais appris dans cette learning expedition. Et puis j'ai commencé à travailler sur un nouveau format dont Randstad a été partenaire tout de suite, qui est le documentaire Work in Progress, dont on vient de voir le trailer. Et donc ça c'était ce premier tome de documentaire. Et puis là, j'ai tellement aimé ce format que j'en fais un deuxième. Donc, j'aurais du mal à te dire ce que je fais parce que ça change. C'est varié. On va annoncer aussi bientôt, c'est une exclu-là, mais on va faire une bande dessinée aussi sur Future of Work. Donc, j'aime bien tester, tu vois, avec les conférences, les articles, les podcasts, tout ça. J'aime bien dire que je suis une éponge parce que je vais absorber plein de connaissances, de bonnes pratiques dans tout ce que je vais découvrir. Alors, c'est pas une expédition, mais je continue d'apprendre plein de choses encore.
Et puis ensuite, je vais les ressortir sur différents médiums. Et on va tester plein de formats différents, plein d'audiences différentes aussi. Et c'est ça que j'aime bien faire, c'est rencontrer du monde, apprendre et puis ensuite partager. Ouais, donc un beau catalyseur d'infos sur tout ce qui est le futur du travail. D'ailleurs, le documentaire, vous pouvez le retrouver sur Salto et Welcome Original, si je ne me trompe pas. En France, ouais, et puis dans le monde, sur Curiosity Stream, c'est des personnes qui nous regardent depuis ailleurs qu'en France. Possible. Top. Bah écoute, effectivement, nous, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, depuis cet événement qui est la Covid, toutes les transformations que ça a pu apporter, qu'il y a quand même eu une certaine accélération des transformations au sein des entreprises. Donc, ça a fait pas avancer pas mal de choses. Toi, pendant ce documentaire-là, j'imagine que tu as pu aussi voir que ça bougeait en termes d'organisation, en termes de statut, de mission, tout ce genre de choses. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est peut-être qu'on se fasse cette fiche d'identité du futur du travail. Alors, Ouais, on l'appelle le futur, alors peut-être que c'est en fait déjà le présent, à toi de nous complètement. dire. On peut peut-être commencer par essayer de définir. Et puis, Complètement. alors, c'est ceux qui nous regardent, mettez votre définition dans le chat aussi. Comme Yes. ça, on pourra comparer si on a des définitions semblables. Complètement. Alors, moi, je te donne une définition que j'ai écrite au retour de cette Learning Expedition. J'avais écrit dans une tribune pour MyDynamics que le Future of Work, c'était un ensemble d'outils, de processus, de façons d'envisager le travail, d'organisation, qui était déjà le fait d'une minorité de personnes et dont on allait parler au futur tant que ça ne serait pas généralisé à la majorité de la population. Et cet ensemble de choses sert deux choses. Ça sert simplement à la performance, à améliorer la performance et à améliorer le bien-être au travail. Et donc, tu peux y mettre ce que tu veux derrière. Ça peut être des outils qui améliorent la performance et le bien-être. Ça peut être juste une nouvelle organisation, une nouvelle forme de management ou des bonnes pratiques. Et on pourra décliner tout ça dans plein de sujets. Mais le futur au work, ça touche vraiment à des tonnes de choses. Il y a plein de pans différents. L'intelligence artificielle en est un. Il y a évidemment le management, il y a les différents statuts, il y a le lieu de travail, il y a plein de pans, la formation. Et puis moi, le pan que je vais explorer, qui en regroupe pas mal en fait en filigrane derrière, c'est le rapport que chacun entretient avec son travail. Et parce que je pense que le futur work, c'est avant tout une question d'état d'esprit et de la façon dont on veut s'intégrer, on veut intégrer le travail dans notre vie en général. Et top, bah exactement. Et je pense que, alors on va recevoir les réponses des participants, je pense, au fur et à mesure. Mais tu as évoqué à un moment le lieu de travail. Je pense Ouais. qu'on peut peut-être commencer par là, dans cette fiche d'identité. Allons-y. C'est un petit peu ce qu'on a remarqué depuis, enfin, c'était ce qui était le plus visible, je pense, pendant cette transition avec le Covid, etc. On s'est retrouvés tout d'un coup tous en télétravail, ce qui était nouveau pour certains. Est-ce qu'on peut dire que le bureau va disparaître, ou en tout cas que ça a nécessité à repenser? Repenser, oui, disparaître, je pense pas, mais être repensé, bien sûr, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une accélération de plein de choses. Tu l'as dit, des phénomènes qui existaient déjà avant sont remontés à la surface. Typiquement, l'augmentation du télétravail, c'est pas nouveau, ça existait déjà, mais il y a plein de gens qui l'ont découvert de façon aussi massive avec la crise. Donc, le bureau, on va pas s'y rendre pour la même chose. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire, en début de dimanche soir, par exemple, le lundi matin, quelles sont les tâches que j'ai à faire cette semaine? Et en fonction de ce que j'ai à faire, arriver à compartimenter différents lieux de travail et de se dire là je vais aller au bureau parce que en fait là j'ai une réunion hyper importante où j'ai besoin d'être créatif, j'ai besoin des métiers aussi, des métiers créatifs, des métiers de commerciaux, j'ai peut-être plus besoin d'être entre eux pour se motiver, pour se challenger, et donc il y a besoin d'une présence au bureau plus importante. D'autres métiers en auront moins besoin, et tous les métiers ne sont pas télétravaillables d'ailleurs, mais le bureau en lui-même, on va pas s'y rendre pour la même façon juste pour travailler, parce que peut-être que le moment où je dois faire du deep work, où je dois être concentré avec moi-même pour avancer sur des tâches, ça je peux le faire en dehors du bureau, ce qui n'était pas possible forcément auparavant. Et quand je dis en dehors, ça peut être le domicile pour certains, pour ceux qui ont la chance d'avoir un endroit calme, en fait une pièce fermée. Et du coup, ça sera peut-être de la responsabilité de l'entreprise aussi d'accompagner à l'équipement du domicile. Il y a des boîtes qui sont lancées là-dessus dernièrement pour aider à accompagner, à s'équiper dans du bon matériel. Et sinon, ça peut être dans des tiers-lieux aussi, tout simplement. Des espaces de coworking, des fab labs, des makerspaces, des tas d'endroits maintenant dans lesquels on peut bosser. J'ai même vu qu'il y avait des cabines dans des monoprix Ah ouais, pour bosser. c'est fort Si ça. entre deux courses, tu peux faire un PowerPoint, un truc, les Carrément. cabines, bon, je sais pas si c'est vraiment fait de travailler ça, mais en tout cas, tu as plein de lieux de travail. T'as un lieu de travail qui est multiple, alors qu'avant, on avait un seul endroit qui n'était pas le mieux. Donc là, l'idée de tout ça, c'est de se dire, je suis capable de compartimenter mon lieu de travail et d'adapter mon lieu de travail aux tâches que j'ai besoin d'effectuer. Et toi, par exemple, où est-ce que tu travailles, Samuel? Moi, j'habite à Lyon et je travaille majoritairement depuis chez moi quand je suis à Lyon. J'ai un bureau, je suis bien équipé. Et par contre, ouais, ça fait à peu près 3 ou 4 jours par semaine, c'est ça. Et puis un ou 2 jours par semaine, je bouge.
Alors, pour des conférences, pour des tournages de documentaires, pour des tournages d'autres choses, pour d'autres trucs, je bouge quasiment toutes les semaines, 1 ou 2 jours. Et j'aime bien cette alternance, moi, entre les moments où je suis justement très concentré, très focus dans la préparation, dans l'écriture chez moi, et les moments où ça bouge dans tous les sens, où je suis en déplacement. Et du coup, par exemple, je prends très régulièrement le train. J'ai besoin de ce salon grand voyageur dans les gares pour aller bosser, par exemple, qui est un vrai travail dans lequel je produis, j'arrive à bien travailler aussi. Et tu restes focus, quoi. Exactement. Bah, c'est typiquement, tu vois, ce qui nous est ressorti en interne sur Randstad. On a lancé une étude, enfin, un ensemble d'ateliers qui était mené par Marie du Pôle Innovation, d'ailleurs, sur l'agence du futur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, Randstad, on a un réseau d'agences d'intérim qui sont positionnées ou bien dans des grandes villes ou bien dans des villes un peu plus reculées. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est que, il y a besoin de cette adaptabilité, tu vois. En fonction du travail qu'ils vont faire, en fonction aussi du positionnement géographique, une agence qui va être au milieu d'une campagne, tu vois, qui est très éloignée, voilà, des grandes villes, elle va avoir besoin de se rendre sur son bureau. Parce qu'en fait, ça crée du lien, tu vois, il y a de la proximité avec Exactement. les intérimaires, avec les clients, ce genre de choses. Par contre, une agence qui va se positionner dans une grande ville, enfin, alors je prends Paris, mais Paris, c'est un peu le mauvais exemple parce que c'est assez différent, mais imaginons que tu ailles à Bordeaux, Marseille, Nantes. Là, typiquement, ça peut être plus flexible parce que les clients et la population s'adaptent davantage à ce qui peut être du télétravail, à ce qui peut être voilà, du travail à distance, ce genre de choses. Donc, oui, effectivement, et ça, c'est ce qui est ressorti un petit peu de nos études. Ouais. Donc, ouais, ça revient carrément en écho avec ce que tu viens de dire du côté de s'adapter en fonction de sa semaine et de ses besoins. Et donc là, ce qui est chouette avec la pandémie, c'est que je pense qu'on a. Alors, Il y a des bons ce qui avantages est du chouette coup avec à la cette pandémie, pandémie. la phrase qui est chouette avec la pandémie est bizarre. Mais ce qui est d'un moins mauvais côté de la pandémie, c'est qu'on a certainement gagné du temps avec ce sujet du télétravail, parce que pour plein de personnes qui étaient forcées au présentéisme, qui bossaient dans des boîtes qui étaient extrêmement traditionnelles, qui ne m'autorisaient rien du tout en termes de télétravail auparavant, rêver de télétravail, certainement peut-être à temps plein. Et là, le fait qu'on se rende compte que le télétravail à temps plein ne fonctionne pas non plus pour tout le monde, et pour la plupart des métiers d'ailleurs, on a certainement gagné du temps pour arriver directement à un modèle hybride, qui est celui de la sortie de crise et qui est celui du chemin privé à l'entreprise. Alors, ça fluctue. Généralement, c'est quand même 2 ou 3 jours par semaine de télétravail, mais il y en a des boîtes pour lesquelles ça va être 1 jour par semaine, pour d'autres, ça va être 4 jours par semaine. Certaines qui vont partir en tout télétravail, mais je pense que ce serait vraiment une minorité. La plupart vont quand même garder ce port d'attache, ce point d'ancrage, de se dire aussi que le travail, plus que jamais, on a besoin que ce soit un endroit dans lequel on se sent bien, et ça représente, ça incarne la culture entreprise. Et j'ai en tête des boîtes, moi, qui avaient prévu de se dire, on passe tous en télétravail, parce qu'en fait, nous, on a l'habitude de le faire, qu'il y avait déjà 50% des personnes qui travaillaient, qui télétravaillaient avant la crise, et qui se sont dit, allez, ça sert à rien d'avoir des bureaux en ce moment, on rentre. Et en fait, elles ont sondé les membres, il y avait une cinquantaine de personnes, et il a sorti qu'en fait, même des personnes qui adoraient télétravailler aimaient ce bureau, ils avaient besoin de s'y rendre. Donc, ils ont rendu ces bureaux-là, mais ils ont acheté des plus grands. Ils se sont installés, ils ont vraiment mis un point d'honneur à ce que ce soit une vraie culture d'entreprise qui soit incarnée dans C'est génial ça. dans ce travail. Et d'où l'importance, du coup, de sonder aussi tous les membres de l'entreprise. Parce que la première décision, la première intention, c'est de se dire, allez, on rend les bureaux, on n'a pas besoin, nous, on sait faire le télétravail. Et certainement que tout le monde sait pas se le faire. Mais la culture d'entreprise ne serait pas incarnée de la même façon. Bien sûr. Donc, besoin de sonder tout le monde avant de prendre des décisions. Et peut-être même, du coup, de prendre des décisions inverses, finalement, qui seraient peut-être la bonne à long terme. Clairement. Bah, je sais que pareil, en Science 7, c'est ce qu'on a fait, une étude, enfin un sondage qui vient d'être lancé il n'y a pas longtemps. Et ça, du coup, encore une fois, ça résonne avec ce que tu disais, mais ce côté de 2-3 jours par semaine télétravail qui est remonté. Ça me fait penser aussi à un article des EcoStars qui est sorti, je crois, récemment, dans lequel, en fait, tu avais une collaboratrice qui disait que elle est en télétravail depuis le début du coup de la pandémie. Et en fait, elle était vraiment au full télétravail et qu'aujourd'hui, elle n'en peut plus parce qu'elle a l'impression, en fait, que c'est juste que sa semaine, c'est une longue journée entrecoupée de sommeil, tu vois. Du coup, effectivement, ça répondait pas du tout à son besoin. Et je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui sont dans ce cas-là et qui ont besoin d'un lieu physique incarné dans lequel tu as la culture d'entreprise qui vit. Ouais. Et voilà, donc c'est un peu essentiel. Ça convient clairement pas à tout le monde. Et puis après, au-delà du télétravail en lui-même, ce qui est important, je pense, à côté travail, on s'en fiche un petit peu du télétravail, ce qui est important, c'est la notion d'asynchrone. C'est de se dire que ce que permet le télétravail, c'est de mettre fin au présentéisme et de se dire, je vais pas au bureau parce que il y a quelqu'un qui va contrôler qu'à 9 h je sois là et que je sois pas sur Facebook, que je sois pas sur, je sais pas, quel réseau, et que je suis hyper concentré. Je vais au bureau parce que j'ai besoin de quelque chose, on l'a déjà dit. Mais ce qui est important avec le travail, c'est la notion asynchrone. C'est-à-dire, je peux travailler quand je veux et où je veux parce que
j'ai des contraintes personnelles parce que je m'occupe d'une personne à charge, parce que j'ai des enfants dont il faut que je m'occupe, parce que j'ai un loisir, j'aime faire du kitesurf l'après-midi peut-être, et je vis du coup au bord de la mer, et par contre je travaille un peu plus tard le soir. Et du coup, ça suppose une organisation aussi un peu différente, un fonctionnement en mode projet, un fonctionnement avec une culture de l'écrit beaucoup plus importante pour que chacun puisse reprendre des sujets au fur et à mesure, et pas la même culture de l'oral qu'on peut avoir en entreprise où tout se passait finalement sur des temps informels et pas sur des temps vraiment importants. Et typiquement, j'ai l'impression que c'est là qu'il y a le plus gros switch à faire, enfin la plus grande transformation, oui. Parce qu'effectivement, le télétravail, il a été imposé, on y est tous, mais maintenant, ce côté asynchrone, j'ai l'impression que c'est plus difficile à s'installer. Complètement. Il y a des entreprises que tu connais qui ont, je pense qu'on parle un peu aussi dans le documentaire, mais qui ont fait ce switch. Alors, ce qui est pas mal, et c'est là où le futur va prendre l'importance, c'est que dans le documentaire, et il y a d'autres entreprises qui existent, qui ont mis en place le télétravail, mais du coup, surtout le fonctionnement asynchrone depuis des années. Je pense à Payscore dans le documentaire, mais il y en a des tonnes d'autres. Et ces entreprises-là, elles ont documenté la façon dont elles l'ont fait, et de façon totalement transparente, elles le partagent dans des livres, dans des podcasts, dans des articles, et dans ce qu'elles appellent souvent des handbooks, qui sont des sortes de recueils, qui font parfois plusieurs milliers de pages. Je pense à celui de GitLab, par exemple, qui est disponible en open source gratuitement sur Internet, on peut regarder, qui explique toute la culture d'entreprise, quelles sont les règles sur un tas de sujets, et donc quelles sont les règles, et puis une sorte de jurisprudence aussi, dans le sens où, par rapport à telle situation qui est arrivée, voilà comment telle personne a pris telle décision et qui a été validée par la communauté. Donc, si tu es seul et que tu ne sais pas comment faire, plutôt d'envoyer un Slack à quelqu'un, tu vas juste aller regarder ce que dit le handbook et puis prendre ta décision en toute autonomie. C'est hyper pratique au final. Mais du coup, il y a évidemment besoin de former les managers au travail asynchrone, au management asynchrone, au gestion de projet. Et là, pareil, il y a aussi des cours, des formations qui existent. Et les formateurs sont des personnes, des managers de boîtes en télétravail depuis des années en fait. Okay. Les boîtes de chez, les personnes de chez GitLab, de chez Automattic, donc, de chez Buffer, cette expérience. Qui ont une expérience, voilà, et sur le sujet, qui maîtrisent parfaitement tous les codes, beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de communication. La façon dont on peut manager à distance, ça s'apprend forcément. C'était le cas au début, mais là, à plus d'un an après le début de la crise, je pense qu'il est véritablement temps de prendre des actions pour former c'est les managers essentiel. À la distance. Justement, il y a une question qui nous remonte des participants. Donc, alors, effectivement, 90% de la population mondiale exerce un métier qui ne peut pas se faire en télétravail. Oui. Quel futur pour eux et est-ce que c'est une nouvelle structure dans la société ? Sur le télétravail, bah, c'est sûr que tout le monde ne pourra pas télétravailler. Il y a des métiers qui resteront non télétravaillables, mais là-dessus, il n'y aura jamais d'égalité dans le sens où des métiers, on sera obligé de le faire dans un certain lieu présentiel. Attention peut-être à se dire quand même qu'il y a peut-être une petite partie du métier qui est télétravaillable. Pour des métiers qu'on n'imagine pas télétravaillables, peut-être 80% du travail doit être fait dans un lieu présentiel, peut-être une partie d'organisation, de logistique, de feedback qui peuvent être faites à distance. Et ça peut peut-être déjà être une demi-journée par semaine, ça peut déjà faire plaisir à la personne. Ouais. Mais bon, on en parlera après sur la notion de sens, mais à mon avis, le futur work, on résume souvent en télétravail, c'est une erreur, parce que le futur work va bien au-delà de ça. Et il y a évidemment des perspectives. Typiquement, ce que le télétravail amène, c'est un management avec plus de confiance. C'est une culture de l'écrit. C'est une relation qui est différente entre un manager et un manager, parce qu'il y a la confiance, parce qu'il y a l'empathie, parce qu'il y a plus de communication. On peut enlever le côté de télétravail, le lieu de travail, et peut-être le temps de travail aussi pour certaines activités, et on peut garder par contre tout ce qui est bon dans la relation de confiance, et ça marche dans tous les métiers. C'est clair. Donc on peut garder certaines vertus du télétravail pour des métiers qui ne sont pas télétravaillables. Donc il y a de l'espoir, même pour ceux qui aujourd'hui ne sont pas en capacité de faire du télétravail. Effectivement, donc ça c'était toutes les questions autour de l'environnement, ce qui amène maintenant une deuxième question autour du statut, comme tu disais aujourd'hui, donc l'environnement de travail, le lieu de travail fait que on va avoir des équipes qui vont peut-être se manager différemment, on va avoir des équipes qui vont être à distance, ce genre de choses. Il y a aussi cette question-là de peut-être avoir des équipes qui ne sont pas peut-être continues sur la durée ou plus ponctuelles. Tu parlais de flash organization dans tes articles. Aujourd'hui, donc on vient plutôt venir chercher sur de la compétence. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, c'est marrant la flash organization, on va en parler un instant, et après on parlera de l'entreprise étendue, parce que flash organization, c'est vraiment le modèle poussé à l'extrême du mode projet. D'accord. C'est une étude au départ qui a été menée par l'université de Stanford, par des chercheurs au sein de l'université, où ils ont fait appel à des freelances, mais des centaines de freelances pour monter des projets qui auraient dû être réalisés en plusieurs mois, sur quelques semaines, sur quelques jours même. Incroyable. Et en fait, les personnes étaient là uniquement pour leurs compétences. Et elles étaient là sollicitées sur une tâche, peut-être de 1 heure, peut-être de 2 heures, parfois de quelques heures maximum. Et cette tâche, ensuite, ils n'avaient pas la vision globale du tout du projet.
ils étaient sollicités pour 1 heure de tel truc. Et puis ensuite, il y avait les chefs de projet qui, eux, en amont, coordonnaient tout ça. Et c'était que des freelances, et c'était que du très très court terme, c'était pour l'expérience. Et en fait, ils se sont rendus compte que chaque personne ensuite faisait remonter des problèmes, des informations, ils réorganisaient, il y a eu des centaines de réorganisations en interne au sein même du projet par rapport à ce qui était défini au départ. Et à la fin, ça a donné un projet où ils ont sorti un jeu de cartes ou une application pour gérer les urgences, typiquement une application très utile hein, qui permettait, quand un patient est pris en charge par une ambulance, d'envoyer directement les informations pendant le temps de trajet à l'hôpital qui va l'accueillir. Trop fort. Et ça, c'est une application qu'ils ont designée en quelques jours, mais du début de on pense l'application au moment où l'application est utilisable. C'est incroyable. Pareil pour un jeu de cartes, montrer que c'est aussi possible, il y a quelque chose de physique, pas simplement un logiciel. Et donc, ça, c'est le modèle poussé à l'extrême de Flash Organization, un peu le modèle hollywoodien quand même dans le cinéma aussi, où des personnes sont là et elles sont là juste pour le temps d'un projet, et puis après, elles font pas que leurs occupations, de se dire que les gens sont là que pour leurs compétences. Alors, on ne va pas travailler 1 heure avec quelqu'un dans la vie en général, parce que c'est complexe de mener des projets de cette façon-là. Mais on peut garder l'idée de Total Workforce Management, de se dire qu'on manage des personnes, on crée, en fait, quand on crée un projet, on le crée avec des personnes parce qu'elles ont certaines compétences et l'autre dans certains statuts. Et donc, quand on parle de Total Workforce Management aux US ou des entreprises étendues en France, c'est de se dire, pour un projet donné, je crée une équipe avec des gens qui sont CDD, qui sont CDI, qui sont en alternance, qui sont intérimaires, qui sont freelance, qui sont salariés, peu importe le statut, ils sont là parce qu'ils ont une vraie compétence à apporter qui est complémentaire par rapport aux membres de l'équipe et puis qui est utile par rapport au projet. Typiquement, si je dois créer un projet dans une entreprise, je vais commencer par aller regarder du côté de mon service qui est disponible en ce moment. Ensuite, je vais aller demander dans l'entreprise dans sa globalité. C'est ce qu'on appelle la mobilité interne. Et puis là, pour le coup, on a souvent l'exemple de Google où on dit que quand on bosse chez Google, on a 20% de son temps qui est alloué à des projets personnels. Alors c'est vrai, mais pas tout le monde qui est entrepreneur, c'est Google qui a un projet. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont plutôt 20% du temps qui est alloué pour aller travailler sur d'autres projets en interne chez Google. Typiquement, je travaille chez YouTube, je peux aller chez Waze, par exemple, je peux aller chez Chrome, je peux aller travailler dans d'autres parties chez Google. C'est quand même une bonne allocation des ressources internes. Et donc, pour un projet donné, je vais faire appel à des personnes dans l'entreprise, dans sa globalité de mobilité interne. Puis ensuite, je vais peut-être faire appel aux personnes qui gravitent autour de l'entreprise, qui sont des intérimaires, qui sont des indépendants, avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, ou j'ai déjà travaillé au temps passé. Et puis après, je vais me tourner vers l'extérieur aussi, vers tous les cabinets de recrutement, vers toutes les plateformes, vers tous les réseaux qui existent aussi, une petite communauté d'indépendants, et pour compléter mon équipe et de se dire que ces personnes-là vont être là pour un projet, qui peut durer une semaine, qui peut durer 6 mois, 1 an, peu importe. Et puis après, ils vont faire d'autres choses, alors peut-être à temps plein, peut-être sur un temps partiel, mais c'est ce qu'on appelle l'hybridation du travail. Okay. C'est hyper intéressant parce que nous, c'est un modèle qu'on a plus ou moins chez Randstad, qui s'appelle les CDI intérimaires. Oui. Et du coup, en fait, c'est un statut qui est particulier, qui répond à un besoin aussi bien de l'entreprise du client que en fait, de l'intérimaire lui-même. C'est-à-dire que ça lui donne du coup un contrat qui va être sur la durée, mais il va pouvoir intervenir en fonction des besoins, de ses compétences, de ce qu'il va pouvoir apporter chez le client de manière alors plus ou moins longue, ponctuellement. En fait, ça lui permet voilà, d'avoir un contrat qui serait plutôt sur la durée et moins one shot, tu vois, donc un intérimaire où tu appelles le matin pour lui dire tu vas là, etc. Et puis tu n'es pas sûr d'avoir encore un contrat le lendemain. Ouais. Donc ça répond pas mal à ce besoin et c'est ça me fait exactement penser ça. complètement à ça. Ouais. Donc, C'est exactement ça, complètement. L'entreprise étendue et du coup le management par la compétence. On n'est plus là parce qu'on a tel statut ou parce qu'on connaît telle personne depuis 10 ans, on mange ensemble le midi. Non, on est là parce qu'on a une vraie compétence. Et là, pour le coup, je pense que c'est plus inclusif encore une fois parce que le futur work c'est pas pour le travail mais le futur work est plus inclusif sur cette dimension-là de se dire que c'est pas le diplôme qui va primer c'est pas le statut sur lequel j'exerce c'est vraiment est-ce que je sais faire quelque chose et peu importe en fait que ce que je sais faire est certifié par un diplôme ou est certifié par les projets que j'ai menés en amont mais c'est-à-dire je peux contribuer à n'importe quel projet et ça aussi c'est une dimension qui est chouette du futur work où c'est beaucoup plus inclusif. Et encore plus avec l'obsolescence des compétences, du coup, Bien sûr. qui est de plus en plus rapide. Je sais qu'il y avait un bouquin de, je crois que c'est Jérémy Lamry, Les compétences du 21e siècle, où il présentait toutes ces compétences qui vont être utiles, nécessaires d'avoir, et qui, je crois que dedans, justement, c'est en fait la capacité d'apprentissage, en fait, à avoir de nouvelles compétences, tout Ouais. simplement. Et donc, à quel point, en fait, c'est important aujourd'hui de pas juste être expert d'un sujet T, mais qui est voué à disparaître dans 5 ans, 10 ans, mais d'être dans cette capacité de réapprendre et d'évoluer à chaque fois, quoi. Ouais, et puis je trouve ça hyper nourrissant Carrément. d'apprendre autant. Cette année, j'ai appris énormément. J'ai découvert, j'ai fait une prépa école de commerce qui n'a rien à voir avec l'écriture et la production de documentaires.
Et j'ai tout découvert cette année, la façon dont on écrit un documentaire, la façon dont on l'organise des tournages, la façon dont ensuite on le distribue auprès des plateformes. Et je trouve ça incroyable. C'est super enrichissant. Et certainement que quand j'en aurais fait 10, ça m'exciterait un petit peu moins de faire un documentaire et que j'aurais envie d'aller sur des nouvelles compétences aussi. Et des sujets sur lesquels je me sens peu légitime et sur lesquels j'ai pas beaucoup de bagages pour apprendre, et c'est ça qui va rendre le projet excitant en lui-même. Bien sûr. Plus que la tâche en elle-même, c'est tout le chemin qu'il y a à parcourir. Vous pouvoir transposer même les compétences que tu as eues là actuellement, oui, sur d'autres métiers qui seraient pas les mêmes mais qui nécessiteraient les mêmes compétences, quoi. Complètement, parce qu'il y a quand même un socle qu'on peut réutiliser ailleurs. Et puis quand on parle de compétences aussi, moi il y a un truc qui m'a énervé par un moment en école de commerce, j'avais l'impression de pas me spécialiser. J'avais l'impression de savoir faire, d'être un petit peu bon partout, mais un petit peu mauvais partout, mais pas expert dans grand-chose. Je comprends complètement. Et en fait, je me suis rendu compte après que j'étais pas expert d'une compétence en particulier, mais que je maîtrisais bien un secteur donné. Et que c'est aussi une forme de spécialisation, ça. Tu peux être très généraliste dans tes compétences, mais être expert sur un secteur. Mmh. Bon, moi, c'est le futur, au revoir. Et je pense qu'on n'est jamais vraiment expert, on peut pas s'auto-proclamer expert. On peut être reconnu en tant qu'expert, mais tu vois, j'apprends énormément. J'ai appris énormément avec la Learning Expedition au début, mm-hmm, et je continue de faire, dans mes semaines, j'ai un énorme travail de veille pour continuer d'apprendre toujours, de discuter. Et chaque discussion est enrichissante. Tu vois, tout ce que tu me dis là sur le CDI intérimaire, je ne le connaissais pas, je le découvre, et ça enrichit mes discussions, et potentiellement, je pourrais réutiliser dans une autre. Tu vois, typiquement, c'est un peu pareil pour moi, parce qu'au Pôle Innovation, c'est un peu la même chose. Tu vois, on n'est pas expert d'une compétence en particulier. Mmh. Donc, on a toujours besoin, pareil que toi, de faire ce travail de veille, aller chercher ce qu'on pourrait apporter à l'entreprise de nouveau, d'accompagner cette transformation, qui passe avant tout par le culturel, par l'aspiration, voilà, tout ce qu'on pourrait apporter de culturel à l'organisation pour faire en sorte qu'elle se réinvente, mmh, sans forcément que ce soit une technique en particulier, tu vois. Ouais. Donc, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis. Trop bien. Donc, on a parlé des CDI intérimaires, effectivement, on a parlé de toutes ces compétences qui étaient importantes. J'ai aussi tout ce qui est freelance, et tu en parles pas mal dans le documentaire. Mm-hmm. Peut-être une question qu'on peut poser aux participants. Je sais qu'il y a pas mal de mythes autour du freelancing. Peut-être si vous pouvez nous partager, vous, vos mythes, vos croyances autour du freelance. Qu'est-ce que c'est qu'un freelance? Quelle image vous en avez? Souvent, c'est vu comme un statut qui serait un peu idéal. C'est trop cool d'être freelance, il faut y aller. Et en même temps, il y a aussi pas mal de craintes, pas mal de freins, peut-être, ouais, par rapport à la stabilité. Ouais, complètement. Et alors, ce qui est marrant, c'est que le terme de freelance, pour certaines personnes, c'est une vraie fierté. Ouais. C'est je me sens libre, je me sens indépendant, je suis freelance. C'est ça. Et pour d'autres, c'est un mot, c'est presque une insulte de se dire. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était freelance, qui gagnait très bien sa vie depuis des années, qui était très bien établi en freelance depuis 10 ans, qui voulait pas être appelé freelance, il voulait se rappeler consultant. D'accord. Parce que freelance, c'était. Pour lui, c'était des métiers peu qualifiés, c'était des métiers très précaires. Ok. Et c'était vraiment pas un statut à avoir. Et donc c'est, je pense qu'il y a vraiment deux côtés du freelancing. Il y a un petit peu de tout. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est en forte augmentation. Alors, il y a toujours eu beaucoup de freelance, à peu près 1 million en France en ce moment. Okay. Mais la grosse différence, je pense, depuis la crise, si on fait un peu le portrait encore du futur work depuis la crise, c'est de dire que il y a eu une vraie accélération depuis l'été dernier, donc quasiment depuis 12 mois maintenant, dans le recours au freelance par les entreprises. Typiquement, ce que j'avais observé aux US et au Canada en 2018-2019, qui étaient des entreprises qui étaient capables déjà de créer des équipes hybrides, de travailler avec des freelances, de les intégrer véritablement, d'avoir des vraies politiques d'intégration des indépendants en entreprise, parce qu'en France et ailleurs, il y a plein de problèmes qui sont gérés par les achats plutôt que par les RH, ouais. Bref, on parle dans ces détails-là, mais c'était pas le cas en France. Et les entreprises, les grandes entreprises qui travaillent avec des freelances, avaient un petit peu honte de le faire, le cacher, ou ne le savaient pas vraiment, elles n'étaient pas vraiment capables de compter le nombre d'indépendants qui travaillaient pour elles. Et là, il y a une vraie accélération. Pour le coup, ça augmente énormément. Et ça se mesure. Alors, plein d'indépendants autour de moi qui n'ont jamais eu autant de missions que depuis un an. Et puis surtout sur les plateformes, en fait, on voit les chiffres. Il y a eu, alors c'est Upwork qui est la plus grosse au niveau mondial, qui a une augmentation au Q2 2020, donc c'est vraiment au cœur de la crise, de plus de 20%. De son activité. Et c'est énorme, c'est parce énorme. Que c'est une énorme plateforme. Ils sont plus de 15 millions de freelances sur la plateforme. Ah ouais, d'accord. Et puis, dans une moindre mesure, mais c'est aussi une très grosse plateforme, c'est en Europe, c'est Malte. Ouais. Et pour le coup, eux, ils ont eu aussi, je crois que c'était une augmentation de 40% de l'activité. Ouais, génial. Sur la période été, donc je crois que c'est entre le mois de mai et le mois de septembre-octobre 2020. Et j'ai aucun doute, alors j'ai ouais, pas les chiffres, je pense que ça va durer ou pas. Voilà, j'ai aucun doute sur le fait que ça va durer. Donc, une vraie accélération de ce point de vue-là. Et puis, pareil, des entreprises qui sont capables de créer des modèles hybrides, des équipes hybrides, et de faire collaborer
les services d'achat, services RH et les métiers pour arriver à créer une bonne expérience du freelance. Alors que c'était dans les conférences, j'avais l'impression qu'il y a 2-3 ans, c'était un peu un vernis. On me faisait venir pour venir. Alors, on va écouter le petit jeune, il va nous raconter son histoire sur les freelances qu'il a vu un peu partout. Et ça va être marrant. Et ça sera un sujet pour nous dans 2-3 ans. Donc, on va pour l'instant commencer à s'éveiller. Là, il y a un vrai besoin de se dire OK, j'ai des freelances qui débarquent dans une semaine, dans un mois. Comment je fais pour les onboarder? Comment je fais pour les gérer au quotidien? Et c'est un vrai sujet. OK. Bah, en même temps, c'est pour tant mieux, j'ai envie de te dire. Si et justement, il y a une question à ce sujet. Par exemple, autour du freelance, en tout cas la notion d'être indépendant, tu as maintenant aussi des. Enfin, avec toutes ces transformations qu'il y a eu avec le Covid, etc., tu as des collaborateurs qui ont envie de prendre ce tournant-là, c'est-à-dire ne plus rester dans un statut qui serait CDI, CDD, et de passer en fait indépendant. Et du coup, quels seraient selon toi en fait ces avantages? Est-ce qu'il y a des avantages à le faire? Et si oui, lesquels? Il y a l'avantage en tant qu'indépendant. En fait, ça dépend de l'entreprise dans laquelle on travaille. Mais si on travaille dans une entreprise qui est déjà assez flexible, qui nous laisse, qui a déjà mis en place ce management asynchrone, ce management de la confiance, le synchrone, le fait de pouvoir travailler où on veut, quand on veut, tous ces sujets-là, il y a assez peu de différence en fait entre un freelance et un salarié qui a cette flexibilité-là, si ce n'est la subordination, le lien de subordination. Pour moi, la principale chance qu'on a en tant qu'indépendant, c'est la possibilité de travailler sur les projets qu'on choisit, avec les clients avec lesquels on choisit. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis ma liberté du freelance. Mais pour d'autres freelances, ça compte peu. Et ce qui compte, c'est le temps de travail qui peut être décidé. C'est le lieu de travail qui peut être décidé. C'est les outils qui peuvent être décidés. Et après, voilà, il y a plein de libertés qui vont avec le freelancing. Mais on est tous plus ou moins réceptifs à. Ouais, ça dépend de tes motivations principales au final. C'est ça. Après, par contre, il y a, et c'est pas pour tout le monde, une certaine incertitude qui vient avec le freelancing, qui est de se dire, quand c'est pas forcément dans 3 mois ce qu'on va faire. Ça peut être compliqué à gérer pour certains. Moi, c'est plutôt l'inverse qui m'angoisse. Si on me disait ce que j'allais faire dans les prochaines années, ça m'angoisserait. J'aime bien plutôt le fait de ne pas trop savoir ce que je vais faire plus tard. Alors là, je commence à la visibilité quand même à 12 mois. Ce qui est attention, ça ne devient pas trop. Voilà, c'est le maximum, je pense, possible. Après, ce sera trop. Mais en fait, c'est plutôt intéressant. Et ça peut être justement, si on est salarié et qu'on passe indépendant, assez sécurisant de se dire qu'en fait, souvent, le premier client, c'est l'employeur de l'entreprise depuis laquelle on part. Qui est tout intérêt aussi à travailler avec l'indépendant, à garder, si il y a une entreprise qui va continuer d'avoir envie de travailler avec personne, c'est juste un changement de statut en fait. Mais les tâches peuvent être encore un peu différentes, tout peut bouger, mais on peut garder ce talent-là au sein d'entreprise, dans une sorte de nébuleuse auto-entreprise, qui est un pool de talent qui gravite, qui est indépendant, qui est intérimaire, qui est sous autre statut. Parce qu'encore une fois, la compétence prime plus que le statut, on s'en fiche un petit peu de la personne. Si je veux être indépendant, qu'elle soit indépendante, c'est pas grave. Mais t'as bien répondu du coup à la question que j'allais te poser, qui était côté, en fait, recruteur, simplement côté entreprise. Quels seraient les avantages en fait à recruter des indépendants, des freelances? Alors, si c'est des personnes qu'on connaît déjà, c'est pas un sujet, on les connaît déjà. C'est juste un changement de statut, ça ne change pas grand-chose. Mais en règle générale, il y a 2 avantages à faire appel à des indépendants. Il y a peut-être un troisième, mais qu'on voit moins. Le premier avantage, c'est la notion de flexibilité. C'est-à-dire qu'en fonction de son activité qui est fluctuante, je peux adapter ma main-d'œuvre. J'ai une base peut-être de personnes qui travaillent avec moi. Et puis si j'ai un pic d'activité, je peux faire appel à des freelances. Et ils sont disponibles du jour au lendemain, quasiment, d'une semaine à l'autre. Et partout dans le monde, on a des talents. Et puis le deuxième point, c'est la notion de talent. C'est-à-dire qu'il y a une guerre des talents. Il y a des métiers, certainement, sur lesquels, sur mon site carrière, j'ai depuis 50 semaines personne où j'ai pu passer 2-3 entretiens. Alors que c'est des métiers sur lesquels il y a des freelances qui sont disponibles partout dans le monde, hyper compétents, tout de suite. Et donc, si j'ai besoin de faire tourner mon activité, faisons appel à des freelances. Et tendons le coup. Troisième sujet qu'on voit beaucoup moins visible en amont, mais qu'on mesure, à mon avis, beaucoup plus après, c'est la notion de pollinisation. C'est-à-dire que les freelances apportent beaucoup plus que ce pour quoi ils sont sollicités quand ils viennent dans une entreprise. Parce qu'ils sont riches de toutes leurs expériences passées. Et forcément, s'ils ont un bon accueil, s'ils se sentent bien dans l'entreprise, ils ne vont pas simplement faire la tâche pour laquelle ils ont été appelés et ils vont pouvoir partager beaucoup plus, alors sur des compétences techniques, mais sur des compétences soft, tout simplement. Typiquement, on fait appel à un ingénieur pour développer une application, il va pouvoir aussi donner sa vision sur le plus long terme, sur comment est-ce qu'on va la marketer, parce que peut-être qu'il a vu comment d'autres applications qu'il a développées ont été marketées en amont. Et sur des profits de CTO, plutôt dans ce cas-là, évidemment. Mais un indépendant qui se sent bien apporte beaucoup plus. Et va faire l'extra mile qui fait que et va pouvoir surtout aussi former les équipes en interne à gérer des projets. Et typiquement, on l'a beaucoup vu là avec la crise au tout début,
sur des entreprises où il y avait des freelances qui étaient sollicités sur des tâches très cadrées, qui, au moment où ça a été le chaos et l'incertitude, l'entreprise n'était pas habituée, mais le freelance, pour le coup, savait très bien faire. Le freelance a pris le lead en disant, maintenant, c'est moi qui vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour communiquer à distance, pour faire la gestion de projet à distance, le temps que ça se mette en place. Et en fait, ils ont été hyper précieux à ce moment-là. C'est clair. Donc, des ressources ultra précieuses pour des entreprises du freelance. Clairement, et effectivement, moi, je te rejoins sur ce point, parce qu'au Pôle Innovation, on a souvent des freelances. C'est vrai que c'est hyper enrichissant. Bah, quand tu bosses dans une cellule INO, tu as besoin en fait, d'avoir chaque fois ce regard de l'extérieur. C'est ça, tu vois, qui t'apporte, prendre du recul. Et ils sont hyper riches de leurs expériences, comme tu disais. Ils t'apportent aussi un réseau, c'est-à-dire que tu as besoin de collaborer avec d'autres entreprises, ce genre de choses. Eux, ils peuvent te le faire. Et ce regard voilà, très, très général aussi sur la mission. Et souvent, ils se donnent vraiment, comme tu disais, à fond. Ouais. Ça va toujours plus loin un peu que la mission parce que voilà, s'ils se sentent bien, s'il y a cet intérêt, ben, souvent ils vont se donner un peu plus. Et, complètement. Et c'est ça qui est cool. Et puis, les entreprises qui avaient peur en fait, des freelances, c'était pour deux raisons. C'était parce qu'il y avait une peur de la requalification du contrat en contrat de travail, en salariat. Mais ça n'existe pas tellement parce qu'en fait, il y a peu de cas. Et puis quand c'est le cas, c'est généralement parce qu'il y a des sous-traitants en cascade. Mm-hmm. Mais un indépendant choisit généralement un indépendant quasiment 9 cas sur 10. Même plus de 9 cas sur 10. Et donc, il y a assez peu de raisons qui demandent la requalification. Et puis, le deuxième sujet, c'était la question de loyauté. Vous avez peur de se dire, si on fait appel à un freelance, il va nous claquer entre les doigts au moment où on aura besoin de lui. Il va nous piquer des informations sensibles, il va aller vers nos concurrents. Ça n'existe que dans des films. C'est clair. Et les indépendants, quand on regarde les turnovers sur des métiers en salariat, se rapprochent énormément du taux de mission. Alors, des missions de 6 mois, 12 mois, en fait, c'est pas si éloigné du temps que passe un employeur dans une entreprise. Donc il n'y a pas de raison de ce sujet de loyauté, d'en avoir peur. Et ça, je crois qu'on l'a compris depuis la crise, il y a cette accélération sur le sujet. Donc, on se dit là, sur le futur of work, effectivement, donc, le travail de demain, ou comme tu disais même, celui qui est en train de se passer déjà actuellement donc, en France, il y a ce côté de l'environnement de travail, le lieu qui est repensé, il y a ce côté du statut, ou en tout cas de la compétence qui va primer. Mais un point qui, je pense, qui est important et sur lequel tu vas pouvoir bien nous apporter, c'est le côté de la mission et du sens, en fait, au final, qui rejoint aussi pas mal ce qu'on disait sur les freelances, mais ce côté de... quand je vais rejoindre une entreprise, ou en tout cas aujourd'hui, quand je suis dans une entreprise, ce qui m'intéresse le plus, ou en tout cas ce qui va de plus en plus prendre d'importance, c'est la mission qu'on va m'accorder et le sens que je vais y mettre. Et du coup, qu'est-ce qui aujourd'hui en entreprise voilà, pourrait englober ces notions de sens? Qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui qu'un collaborateur veuille rester, ou en tout cas soit davantage engagé dans une entreprise? C'est le fait de se dire que l'entreprise, elle n'est pas simplement là pour me payer mon salaire à la fin du mois et plus simplement d'une façon générale pour juste générer de l'activité économique, mais qu'elle peut avoir de l'impact. Et quand on parle d'impact, c'est un tas de sujets. Soit c'est des valeurs sur lesquelles l'entreprise s'engage et qui résonnent avec mes valeurs personnelles, des prises de position sur les sujets de société, et pas simplement sur un sujet légal. Moi, je pense par exemple, un dernier exemple sur une mission. Ouais. En tout cas, c'est assez récent, c'est le Parental Act. C'est dernièrement, au début, 2-3 sociétés qui se sont dit les congés de, je ne sais plus combien c'était, 11 jours pour le second parent, ce n'est pas suffisant. Nous, on pense qu'il faut donner, et c'est un mois, et plusieurs semaines s'il faut, on va même augmenter tout ça. Elles disent on va faire ça à 3, et puis très vite, c'est une charte qui est signée, qui est rejointe par plusieurs entreprises, et puis ensuite, c'est légiféré. Donc, c'est de se dire, j'attends pas que la loi évolue pour moi bouger. Je veux dire, moi, je vais prendre des décisions et je vais prendre des positions qui sont fortes parce que je me reconnais là-dedans. Ça, c'est des petits sujets. Il y a plein, plein d'autres sujets sur lesquels il faut encore aller, évidemment. Bien sûr. Mais se dire que l'entreprise est capable d'apporter beaucoup plus que juste la valeur économique, typiquement pendant la crise, une entreprise qui a du sens et qui donne du sens et qui a de l'impact, c'est une entreprise qui est capable de juste créer un environnement sain dans lequel on aime se rendre tous les jours et créer du lien. C'est-à-dire que quand je vais dans ma boîte, je trouve des personnes qui sont des amis. Qui sont des personnes que je pourrais voir le week-end et prendre du plaisir à voir le week-end parce que j'entends super bien avec elles. Et pas racheter du chaos pendant la crise. Ça, je crois que c'est déjà aussi avoir de l'impact. Puis... Là, il y avait un super exemple dans le documentaire Work in Progress. Oui. Je crois que c'était chez Buffer ou chez Basecamp, Cambase, mais sur le collaborateur qui, justement, il y a eu une tragédie dans sa famille. Alors, c'est Jorgen. Alors, lui, pour le coup, il est membre d'une communauté, mais exactement. D'accord, communauté. C'est la meilleure illustration, tu viens d'en parler, c'est la meilleure illustration, je pense, du collectif entreprise. Pour ce documentaire, je fais en deux secondes, mais en fait, il a eu plusieurs membres de sa famille qui ont été touchés par le Covid, qui en sont morts, des membres très proches. Et à ce moment-là, il était engagé sur des projets hyper importants pour son entreprise. Et l'entreprise, plutôt de lui dire
allez, prends tes 3 jours légaux et puis après tu reviens au travail, on a besoin de toi. Il dit non, prends tout le temps que tu veux, on continue de te payer évidemment. Il y a plusieurs collaborateurs qui l'appellent tous les jours, qui prennent de ses nouvelles, qui ont envoyé de la nourriture devant chez lui. Et il s'est rendu compte qu'au moment, et ses collaborateurs surtout, ont repris ses projets en interne à leur charge, alors qu'ils étaient déjà occupés avec d'autres choses, pour que les projets ne foirent pas, parce qu'il y a évidemment des projets qui sont en cours et tout ne peut pas s'arrêter. Et dans ce moment-là, il s'est rendu compte qu'en fait, les personnes avec lesquelles il travaillait, avant d'avoir une relation professionnelle, il avait une relation qui était personnelle, qui était amicale. Et il se sentait vraiment bien avec elle. C'était des amis. C'est génial, ça. Et surtout, ça, c'est le but, en fait. C'est bien le but. Sûr. Surtout quand tu sais que tu passes quasiment plus de temps avec ton entreprise ou avec tes collègues qu'avec ta propre famille. Complètement. C'est hyper important d'avoir cette proximité-là avec eux et cette relation. De passer le bon moment. Donc, ça, c'est la meilleure incarnation, je pense, du collectif en entreprise. Et puis, plus généralement, si on veut penser à l'entreprise de demain, avec la mission, il y a la notion de. En fait, il y a un canevas que j'aime bien utiliser qui sera l'objet de Work in Progress 2, okay. Qui permet aussi de répondre à la notion de mission. Pour celles et ceux qui n'ont pas un job, dont la tâche en elle-même est passionnante, il y a ce canevas qui est le quoi, le pourquoi, le comment du travail, qui sont, à mon avis, les 3 leviers de motivation. Et dans l'un d'entre eux, et évidemment, c'est le pourquoi, c'est la mission. C'est l'alignement entre les valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. C'est le fait de sentir qu'on contribue à un projet plus global. Typiquement, je suis brancardier en EHPAD pendant le Covid. La tâche en elle-même, elle n'est pas passionnante. Par contre, la mission à laquelle je contribue, elle est incroyable. Et il n'y a pas besoin d'ailleurs de travailler à la santé. En fait, il y a plein de missions d'entreprise qui sont déjà de très belles missions et dans lesquelles on peut se reconnaître et on peut avoir envie de contribuer au quotidien. Et chez Randstad, donner du travail, apporter de l'emploi, c'est déjà une belle mission. Il n'y a pas forcément besoin de sauver des vies au quotidien. Et d'ailleurs, je sais qu'avec certains de vos métiers, vous sauvez des vies au quotidien en plus. C'est déjà une mission. Je sais pourquoi. Après, il y a le quoi. Là, pour le coup, c'est la tâche en elle-même. C'est peut-être plus sur des métiers manuels ou sur des métiers d'artiste où, quand je chante, quand je cuisine, quand je fais des choses comme ça, je prends du plaisir dans véritablement ce que je fais. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans le documentaire avec Laetitia qui dit, pour avoir du sens dans son métier, il faut renouer avec les valeurs de l'artisanat qui sont dans le quoi, encore une fois, qui sont autonomie, responsabilité et créativité. Et si on a ces 3 valeurs-là, on a généralement du sens. Et ces 3 valeurs-là, pour le coup, ce n'est pas que pour des métiers tertiaires, des travailleurs, on peut les avoir, ni notre salaire. On peut les avoir dans n'importe quoi, en fait. Autonomie, créativité et responsabilité. Mettre ces trois petits ingrédients dans son travail fait qu'on a du sens. Donc, il y a ces deux choses-là, le quoi, le pourquoi. Et puis, il y a le comment, et l'environnement de travail. C'est les collègues qui deviennent des amis, c'est le lieu de travail dans lequel on aime se rendre, ou ne pas se rendre, c'est tous les avantages qu'on a de travail. Et je crois qu'avec ces 3 leviers-là, en fait, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, on a tout ce qu'il faut pour donner du sens, pour apporter de la satisfaction, de l'épanouissement au travail à tous ces collaborateurs. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas peut-être à nous mettre dans les commentaires, vous, qu'est-ce qui aujourd'hui vous anime? Est-ce qu'il y a des missions ou globalement des actions que vous menez chaque jour dans votre quotidien professionnel qui vous animent, qui donnent du sens à ce que vous faites? Et juste pour reciter, en fait, effectivement, l'ouvrage dont parlait Samuel, c'est donc du Labeur et l'ouvrage de Laetitia Vito. Oui. De toute manière, avec l'équipe, on nous a préparé donc une liste d'ouvrages qu'on vous partagera juste après sur Team Randstad. Donc, vous pourrez avoir accès à toute cette ressource bibliographique, de podcast, etc. Trop bien. Et toi, justement, est-ce que ce que tu fais dans ton quotidien aujourd'hui, c'est ta passion? Est-ce que ça t'anime et si oui, en quoi? C'est pas un peu philosophique. C'est pas ma passion, parce que je suis pas passionné de futur work. Ma passion, c'est le tennis, c'est le ski. Mais bon, j'ai beaucoup d'appétence, par contre, ça m'anime, ça c'est clair. J'adore ce que je fais, mais c'est pas une passion. Les dernières passions, je trouvais un peu trop fort pour justifier, pour catégoriser ce que je fais au quotidien. Mais j'adore, par contre. Et j'ai du mal à différencier les moments où je suis en train de travailler et les moments où je ne travaille pas. C'est super difficile, en fait. Je suis capable de différencier les moments d'activité ou des moments pas d'activité. Mais le travail en lui-même, il y a assez peu de tâches, peut-être les 5%, qui sont des tâches de comptabilité ou des contrats, des trucs juridiques, qu'il faut que je relise, qu'il faut que j'écrive, où je ne prends pas de plaisir là. Mais le reste du temps, je prends du plaisir à chaque seconde de tout ce que je fais. Et donc je mesure la chance que j'ai, parce que il n'y a pas de pénibilité dans mon travail. Mais je crois qu'on a quand même plus ou moins tous la possibilité de se créer un environnement de travail qui nous correspond, ou de rejoindre un environnement de travail qui nous correspond. Et il y a assez peu de raisons de passer dans son job. Donc ouais, moi je m'éclate. C'est très ma passion, mais c'est magnifique. Trop cool. On te souhaite que ça continue de t'animer, du coup. C'est vrai que tu disais le terme passion est un peu trop fort. Je crois que tu avais proposé un autre terme plutôt de création, ouais, de créateur, ouais, qui serait plus adapté. Est-ce que tu peux nous parler davantage de ce que c'est que cette économie de la création ou cet environnement-là?
Oui, alors on le voit dans le documentaire, et puis je pense qu'on le connaît tous, le métier de la création, à travers les réseaux sociaux, à travers des vidéos sur YouTube, à travers des posts sur Instagram. C'est devenu un métier, hein, influenceur, youtubeur, c'est devenu un vrai métier. Et pour le coup, dans le documentaire, on interview Hugo Marchand. Et Hugo, il a fait Dauphine, fac, école de commerce, et rien ne prédestinait à être acteur, à être comédien, à être auteur. Et en fait, il en a fait son métier, il est suivi par sa chaîne, je crois que c'est 3, plus de 3 millions de personnes qui le suivent, et c'est devenu son vrai métier. Et donc, la notion d'économie des créateurs, d'économie de la passion, elle s'incarne aussi avec Johan dans le documentaire qui lui a créé Newsletter, qui faisait du marketing avant au sein d'une boîte à Paris, une boîte tech, et qui maintenant fait du marketing, enfin, qui crée Newsletter sur les finances personnelles. Je ne pense pas qu'il soit passionné par l'argent et par les finances personnelles, mais par contre, comme moi, je trouve que je t'en vois. Je pense qu'il y a de l'appétence, et c'est devenu un vrai métier. Et cette économie du créateur, c'est juste l'idée de dire qu'en 2021, et depuis quelques années déjà, c'est beaucoup plus simple de lancer un projet dans lequel on s'épanouit, un projet qui nous plaît, un projet passion. Mais du coup, c'est un peu galvaudé de passion, mais un projet qui nous anime, sans avoir forcément les compétences, parce qu'en fait, il y a plein de plateformes. YouTube, Insta, évidemment, mais même Yoann utilise Substack, il permet de monétiser son audience sur les newsletters. On a des podcasts, et en fait, avec 0 euros, allez, 10 euros maximum, on peut lancer une activité. Et cette activité, ça peut soit rester un projet passion sur lequel on bosse le soir, le week-end, parce qu'on se régale, parce qu'on adore, parce qu'on rencontre des personnes. Soit ça peut être le début d'une vraie activité à temps plein, d'un vrai métier. Johan, il gagne plus dans sa newsletter que ce qu'il gagnait avant en salarié. Hugo, c'est devenu son métier à temps plein. YouTuber, il est payé pour être comédien. Pour C'est génial ça. et c'est génial. Et en fait, tout part d'un post sur les réseaux, tout part d'un premier moment où on clique sur publier sur quelque chose. C'est Et logique. alors là, on parle de digital, mais ça peut aussi être créer de l'artisanat et le vendre sur Etsy. Carrément. Et ça peut être un tas de sujets différents, en fait, la création. Et essayer de se dire que ça coûte très peu cher, les barrières d'entrée sont hyper faibles. Faut juste se lancer si vous avez envie, C'est ça, si vous avez envie de le exactement. faire. Donc, peut-être pour résumer, effectivement, une phrase qui est remontée, c'est au final, l'équation clé, c'est créativité plus liberté égale valeur plus fun. Oui, C'est un peu ça, je pense, je suis d'accord. effectivement. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes lancé sur le sujet, vous avez utilisé cette créativité-là, que vous avez cette notion de liberté, au final, vous faites ce que vous avez envie de faire, il n'y a pas de raison que vous kiffiez pas, tout simplement. Ouais, et puis fun, la notion de s'éclater aussi. Ouais. Le fait de se dire qu'on est soi-même quand on travaille, quand on ne travaille pas, et qu'on a les mêmes discussions au travail que dans sa vie Carrément. perso. Et il n'y a pas le masque, il y a le masque, mais il n'y a pas la façade que je mets quand je vais au Bien sûr. bureau, de dire allez, il faut que j'ai un temps sérieux et que je sois pas en train de rigoler du tout, Une et puis le soir authenticité, quoi. enfin, ah ça y est, c'est le week-end, on va boire des bières, on va faire n'importe quoi. On va pas boire des bières et faire n'importe quoi la journée, mais Mais en tout cas, oui, il y a plus ce côté très formel, très cadré, où en fait, au final, on n'est pas nous-mêmes. ouais, exactement, être soi-même. Top. Du coup, là, la dernière question, peut-être pour conclure. Effectivement, on a parlé du Future of Work, ça faisait très entreprise, organisation. Je crois que tu nous as parlé au moment du fait très MacBook, un peu col blanc. Oui, Est-ce que le Future of Work, c'est pour tous? bah, c'est pour tous plus que jamais parce qu'on l'a vu, les valeurs du télétravail, en dehors du télétravail, on peut les transposer dans tous les métiers. Sur les statuts, pour le coup, on contribue en fonction de ses compétences et pas en fonction du statut qu'on avait, des diplômes qu'on a. Donc là, encore une fois, c'est inclusif. Et puis, pareil, cette notion d'autonomie, créativité, responsabilité qui sont, en le cœur du Future Work, on parle de tiers dans son ouvrage, c'est pour tout le monde. Donc, et puis, tout le canevas, quoi, comment, pourquoi. Fait qu'on peut évidemment avoir du sens au travail, peu importe ce qu'on fait. Donc le Future Work, c'est résolument pour tous. Et on termine avec cette notion de passion d'économie, d'économie créateur. On peut se lancer et créer un projet avec 0 euro, peu importe où on est né, peu importe son niveau de diplôme, peu importe ce qu'on fait, c'est complètement possible. Donc oui, le Future Work, heureusement, il est pour tous. Et c'est ça aussi qui le rend si excitant. C'est que ce n'est pas réservé à une petite catégorie de la population. Et Laetitia l'a dit très bien en introduction, elle a dit, it's not just a question for the privileged few. Et elle le dit directement dans l'introduction, le futur work, c'est pour tous. Et je crois que d'ailleurs, tu pourras en parler peut-être dans un prochain épisode de Work in Progress. Dans Work in Progress 2, dont le sujet, c'est, alors on verra un petit peu de MacBook, mais beaucoup moins, on verra des cols bleus, on verra de l'artisanat, on verra d'autres secteurs pour montrer qu'on peut s'éclater dans son travail de plein de façons différentes. Et ce sera un tome 2 qui est centré sur l'entreprise, de montrer quelles sont les différentes façons de donner du sens à son job dans l'entreprise, montrer que le salariat n'est pas mort. Alors que le tome 1 était vraiment sur le tableau global du futur work. Un tome 2, là, je prends quelques semaines de vacances cet été, Bien mérité. bien mérité, le préparer
Et puis le tournage, on va attaquer dès la rentrée, dès septembre. Super. Donc un tome 2 à attendre sur les écrans à partir de 2022. Alors, on a hâte. Et en attendant, avant de visionner ce tome 2, n'hésitez pas à aller regarder le numéro 1 qui se trouve aujourd'hui sur Salto, sur Welcome Originals et sur une plateforme internationale qui est Curiosity Stream. Curiosity Stream. Pour les personnes qui sont en interne, bien évidemment, n'hésitez pas à participer au challenge qui vous invite à, qui fera gagner des places, hein, tout simplement, pour visionner ce documentaire qui est hyper intéressant, très passionnant. Merci beaucoup, Samuel, pour cet échange. Merci pour l'invitation. Qui donne bien envie, voilà, de vite se lancer dans ce Future of Work qui, en fait, est déjà maintenant et qui n'attend plus que nous pour l'activer. Merci beaucoup. Samuel. Bonne journée. À toi aussi.